Salut à tous et nouvel épisode. Eh bien, nous sommes toujours en Martinique et comme vous avez pu le voir dans notre dernière vidéo, on a été confinés une semaine seulement après notre arrivée. Confinement qui a duré 3 semaines, on a respecté les règles et on n'a pas beaucoup bougé. Mais malgré tout, on s'est pas ennuyé et je pense que les enfants non plus. C'est la course du Vendée Globe et c'est parfait pour étudier des thèmes comme la géographie et la navigation. Quant à la plage, elle nous sert de page blanche pour des cours personnalisés. Et en plus de la partie école où on fait des maths et le français, on en a aussi profité pour leur faire faire du sport parce qu'on avait en plus à disposition la piscine. Et en même temps, avoir un maître nageur dans la famille, ça aide. Après ça vient le temps de la récréation, et le terrain de jeu est quand même plutôt vague. Les moments pour faire de l'activité en extérieur sont importants. Car même les créatures qui vivent constamment confinées ont besoin de se dégourdir les jambes. C'est là qu'on a eu une bonne surprise. On s'attendait à une prolongation du confinement, mais en fait non. À la fin des 3 semaines, tous les restaurants ont réouvert, les musées, les activités. Mais même si on pourrait être heureux parce qu'on a été déconfinés, tout ça, je suis bien triste. On a eu quelques commentaires et remarques sur le dernier épisode, comme quoi notre épisode faisait pas assez carte postale, on n'avait pas mis assez d'images de la Martinique. Ok, vous voulez voir de la carte postale? Bon, on va vous donner de la carte postale. Et pour ça, c'est pas compliqué, il suffit de vous montrer les Salines. Beaucoup la considèrent comme une des plus belles plages de la Martinique. Un peu plus loin, au nord de l'île, se trouve l'habitation de Paz. Rayée de la carte en 1902 lors de l'éruption de la montagne Pelée, c'est aujourd'hui l'une des plus belles et aussi des plus anciennes distilleries que vous pourrez visiter en Martinique. C'est un peu égoïste, mais dans tout l'eau d'effets négatifs qu'apporte le Covid, il y a quand même un point positif très important. Tout est absolument vide et en fait on visite, il n'y a jamais personne dans les musées, sur les plages, on est vraiment seul au monde. Et donc c'est vrai qu'on en profite bien, on est seul, ça avance, mais on voit aussi aux informations qu'il y a environ 9 vols par jour de Paris à Fort-de-France. On sait très bien que ça va changer et on sait très bien qu'on va plus être seul bien longtemps et qu'on va avoir de nouveau droit aux bouchons qui sont assez quotidiens ici en Martinique. Donc il nous reste plus beaucoup de temps, il faut qu'on fasse tout ce qu'on avait prévu. Stone cold stunner. She was a winner. Started working at the dime.
Quoi, mais c'est déjà fini? Bon, eh bien, il va falloir attendre la prochaine vidéo. Il faut savoir qu'on a un gros projet pour la prochaine vidéo. Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Je souhaite également tous vous remercier de nous suivre pour vos commentaires super sympas et vos commentaires qui sont encourageants. Alors, je vous dis à la prochaine. Bon, bye, yeah.